Le chaboté. À son décès, un vieux meunier laisse à ses trois fils l'intégralité de ses biens. L'aîné hérite du moulin, le cadet de l'âne et le benjamin du chat. Sans un sou en poche et ne sachant que faire d'un tel cadeau, ce dernier songe à le manger, mais le chat s'avère doué de parole. Contre un sac et une paire de bottes, et avec beaucoup de ruse, l'animal est désormais déterminé à faire la fortune de son maître. Dans ce but, le chat capture un lapin dans la forêt et l'offre au roi comme un cadeau de son maître, le marquis de Caraba. Il apporte ainsi régulièrement du gibier au roi pendant plusieurs mois. Un jour, sachant que le roi et sa fille voyagent le long de la rivière, le chat perçut à son maître de retirer ses vêtements et d'entrer dans la rivière. Il cache les habits de son maître derrière un rocher, puis appelle à l'aide. Lorsque le roi arrive, le chat explique que son maître, le marquis de Caraba, s'est fait dépouiller de ses habits alors qu'il se baignait dans la rivière. Le roi offre de riches vêtements au jeune homme et l'invite à s'asseoir dans son carrosse aux côtés de sa fille, qui tombe instantanément amoureuse de lui. Le chat court en précédant le carrosse et ordonne aux gens qu'il rencontre tout au long de la route de dire au roi que cette terre appartient au marquis de Caraba. Il entre ensuite dans un château habité par un ogre qui est capable de se transformer en un grand nombre de créatures. L'ogre le reçoit aussi civilement qu'il le peut et se transforme en lion pour prouver ses capacités, effrayant ainsi le chaboté. Ce dernier lui demande alors s'il est capable de se changer en souris. Lorsque l'ogre s'exécute, le chaboté lui saute dessus et le dévore. Le roi arrive au château qui appartenait à l'ogre et, impressionné par les biens du marquis de Caraba, offre la main de sa fille au petit meunier. Peu après, le chat devient grand seigneur et ne court plus après les souris que pour se divertir. Fin.